Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La largesse du voie du bien dans le message de Mohammed. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son oubli livre, ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites du bien pour réussir. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, le message de Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, est marqué par la variété des voies du bien. Ce message est une miséricorde pour tous les humains. Il prend en considération les natures, circonstances et potentialités des humains. Elle leur offre les chemins de bien. Dans le hadith divin, Allah, gloire à lui, dit « Lorsque le serviteur s'approche de moi une pomme, je m'approcherai vers lui une coudée. S'il s'approche de moi une coudée, je m'approche de lui une longue distance. S'il vient à moi en marchant, je vais vers lui en courant. Les portes du bien sont multiples et ouvertes, dont certains sont relatives aux actes purement cultuels. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit, si le serviteur fait convenablement les ablutions, puis sort à destination de la mosquée juste pour faire la prière, chaque pas qu'il fait le lève un degré et lui annule une mauvaise action. S'il fait la prière, les anges font des invocations en sa faveur tant qu'il est encore dans sa mosquée en disant « Ô Allah, péris sur lui, agrée-le de ta miséricorde, l'un de vous et en salat tant qu'il attend la salat. » Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, dit « Quiconque va à la mosquée où il revient, Allah lui prépare une résidence dans le paradis chaque fois qu'il va à la mosquée où il revient. » Les saintes prières, le vendredi jusqu'au vendredi, le ramadan jusqu'au ramadan, excipient ceux qui y entrent tant que les péchés majeurs sont éludés. Et quiconque fait pèlerinage sans commettre ni indécence ni débauche, il revient son péché autant que le nouveau-né. Parmi les grandes portes de bien dont l'utilité s'étend à tout, il y a l'isolement, la dissipation de malheur et l'abstinence du nuire aux autres. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, dit « Quiconque fait l'aumône d'une dette d'un gain licite, Allah n'agrée que le gain licite. Allah l'agrée lui-même et la lui développe autant qu'on élève une petite brebis jusqu'à avoir le volume d'un mont. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, dit « Les voies de bien sont diverses. Dire gloire à Allah, louange à Allah. Allah est le plus grand point de divinité en dehors d'Allah. Ordonner le bien et entordit le blâmable. Écartez la nuisance de la route, écoutez à la place du muet, voir pour l'aveugle, indique-lui garé vers ce qu'il veut, et dit par ses gens le chétif, assisté par ses bras forts le faible, tout cela est un acte caritabilité. Que l'homme se fait pour lui-même. Il dit également, écarter la nuisance de la route est un acte charitable. Et si tu cesses de nuire aux autres, te fais une charité à ta faveur. Cela montre la largesse
et la variété des voies du bien par miséricorde d'Allah pour ses serviteurs. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordés au dernier des prophètes et messagers, notre maître Mohammed, à sa famille et à tous ses compagnons. Parmi les voies utiles du bien, on cite le fait d'offrir la nourriture qui est l'attitude des croyants sincères, les gens du jardin de délices. Allah, gloire à lui, dit, et ils ouvrent la nourriture qu'ils chérissent à un misérable, à un orphelin et à un prisonnier. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit aux gens, offrez la nourriture, observez les liens de parenté et faites des prières sur le rogatoire nocturne alors que les gens s'endorment. Vous entrerez donc paisiblement le paradis. Cette nourriture pourrait être mieux rétribuée que les rituels surrogatoires dont l'utilité est restreinte à l'auteur, surtout au temps des crises qui exigent la solidarité et l'entorquille immense. Chacun de nous aide les autres. Allah Al-Hassan al-Basri, qu'Allah l'agré, dit, sais-tu que marcher pour l'enterrer de ton frère te vaut mieux d'un pèlerinage après pèlerinage. Qu'Allah punisse ce qui dit, assouvi tant que tu pourras le besoin, et dissipe le malheur de ton frère. Le meilleur jour de la vie d'une personne est celui où les besoins sont assouvis. Nous affirmons que le message de Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, prend en considération les circonstances de tous les humains, les console et leur ouvre les portes du bien, chacun en fonction de ses compétences. L'essentiel en est l'intention sincère vouée à Allah et les on est été en travail. Où Allah préserve notre pays d'Égypte et tous les pays du monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.